Salut à tous, ici Anthony. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le produit de chez Thomann, le MC8. C'est un boîtier de scène avec des prises femelles, avec 15 mètres de câble. Et de l'autre côté, on a des prises mâles. Donc des prises mâles, connecteur. On voit que c'est un peu cheap, on voit que c'est un peu chinois, mais bon, si vous n'utilisez pas souvent dans l'année, ça tiendra. Si vous utilisez souvent, à mon avis, d'ici 6 ou 8 mois, vous changerez la fiche XLR. Mais bon, à la base, c'est quand même un truc solide, hein. C'est juste que c'est un peu effet plastique. De toute façon, de base, le câble, c'est un super câble, hein, de base, hein. Franchement, super câble. Le boîtier aussi, il est nickel, vous le verrez. Donc, voilà, on a un cordon. Dessus, on a le numéro de la prise qui correspond là-dessus. Là, c'est le 3. Donc voilà, donc on voit que c'est un peu effet plastique, mais bon, ça à 48 euros, personne ne fait mieux. Hein. Je vous préviens, parce que franchement, le câble est d'une très bonne qualité. Donc voilà, donc numéro 3. Est-ce que c'est marqué dessus? Parce que je sais que des fois. Parce que des fois. Oula, je t'ai zoom. Oui, c'est marqué dessus. Après, il y a toujours des. Ah, c'est ça, des repères. Alors attendez. Voilà. Voilà, c'est marqué par exemple dessus 1, 9, donc 19. Et de l'autre côté, vous cherchez encore le 19, vous le trouverez. Donc voilà, donc là nous avons une prise mâle. Voilà, donc on est là, on se focus, c'est bon. Donc voilà, donc ça part comme ça. Après, ça là, c'est pour lui de faire un truc droit. Là. Enfin bref. Donc après, ça, c'est super bien fait, leur truc. Après, hop, sur 15 mètres. Donc là, il est attaché. Hein. Et après, nous avons le boîtier avec la sacoche qui fournit avec. Donc c'est pas mal. Une bonne idée. Trop lourd. Qu'est-ce qu'il y a? Ouh. Le MC8 de chez Thomann, donc le vœu Snake, professionnel audio câble. Donc dessus, nous avons 8 prises XLR. Donc voilà, donc c'est pareil, c'est la bonne qualité de base, mais bon, si vous utilisez souvent, à mon avis, vous changerez les prises, mais bon, sinon de base, c'est un très bon truc, hein. Si vous faites un truc de studio, ça suffit largement. Hein. On voit, ouais, donc c'est la marque Thomann, à mon avis, les prises XLR chinois, mais bon, comme je vous disais, ça suffit pour les petits trucs, puis pour le prix, c'est imbattable. Au pire, si vraiment vous voulez un boîtier professionnel, bah vous changez les prises, vous changez les prises là aussi, mais bon, ça sera plus cher. Donc voilà, donc un petit boîtier, fort sympa, tout en longueur. Donc c'est tout en femelle. Donc il n'y a pas le côté pareil là. Donc là, quand vous arrivez, petit bouchon. Voilà. Dessous, bah, nous avons juste des petits vis. Donc, si vous voulez l'ouvrir, c'est par en dessous. Vous ouvrez ça et ploup, tout sort d'un seul coup. Et aussi, on a même une petite attache là. Donc voilà, donc c'est ceux par exemple, qui sont en studio. En fait, ils visent ça à leur mur en fait. Voilà, sur leur mur. Donc voilà, donc super truc. Donc j'ai essayé et tout. La qualité est nickel. Franchement, il n'y a rien à redire. Comme je dis, c'est juste les prises XLR qui sont un peu cheap. Mais bon, pour le prix de 48 euros, nous n'avons pas mieux. Donc voilà, donc boîtier, 15 mètres. Et l'autre côté, normal, pour la console. Donc voilà, donc c'est un super boîtier de scène. Donc généralement je vous explique quand même pour certains, c'est qu'en fait, c'est un bon. Désolé, on a été coupé. Donc je recommence. Donc je disais que ça va sur la console. Donc voilà, vous branchez ça sur la console. Comme ça vous permet d'utiliser qu'un seul gros câble au lieu de plein de petits. Donc voilà, c'est quand même plus discret et plus joli. Et ça vous permet d'économiser des longueurs aussi. Câble normal. Donc 15 mètres plus loin, hop! Vous avez la scène, vous mettez ça sur la scène, et donc c'est nickel. Donc c'est parfait pour faire des petits groupes ou des petits spectacles ou petits événementiels. Donc c'est fort pratique. Donc je vous le recommande. Surtout pour 48 euros, c'est vraiment pas cher. Donc merci à tous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!